Salut, c'est Jasper, vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Idols. Ah, je suis trop contente de filmer la suite, j'étais super pressée de la faire. Je ne sais pas si je vais faire le chapitre 3 ou chapitre 3 et 4. Ça dépend si ma voix le supporte et si j'ai envie de continuer. Mais en fait, si j'ai envie de continuer, je pourrais le faire pendant des heures. C'est parti. Du coup, normalement... Oui, voilà, donc on va voir les autres groupes. Colin ne tarde pas à revenir dans le salon en tenant un jeune homme aux cheveux rouges par la main. Je me souviens d'abord du concept de la skinship, ce qui m'évite de m'étonner. Ok, encore un truc. Ma première impulsion occidentale aurait sinon été de me demander si Colin et Imchan entretenaient une relation cachée. Le gros scoop, la bombe pour les médias et les netizens. Et toutes les shippeuses du Kochan auraient pleuré des larmes de joie. Mais c'est vrai qu'en Corée, les amis proches du même genre se tiennent par la main sans lasse. C'est tout à fait normal, fréquent et sans sous-entendu. Oui. Ils le font aussi dans les vidéos et à leurs concerts. Et en plus, je me rappelle d'un cours à la fac que... l'homosexualité n'est pas encore bien acceptée en Corée. Super. Rip. Loin des considérations culturelles, ma cousine s'empresse de faire connaissance avec le nouveau venu. Après tout, c'est meilleur ami de son frère. Oui, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis plus vite les écritures, parce qu'avant j'attendais et j'oubliais d'écrire. Enfin, d'appuyer pour que ça aille plus vite. Imchan. On lui fait un petit signe de la main. Bonjour. Imchan paraît plus réservé encore en vrai qu'à l'écran. Il écarte une mèche de son front puis s'approche et nous sourit un petit timidement. Oh. Vous avez fait bon voyage. Face à lui, je me sens moins intimidée que face à Aniel ou Colin. C'est vrai que Aniel et Colin, c'est pas la même chose. Il a l'air extrêmement gentil. Je savais déjà qu'il l'était. Des émissions télévisées que j'ai pu visionner. Mais surtout, il n'a pas l'air d'une star, et il a l'air encore moins à son aise que moi. En même temps, j'ai décidé de répondre à sa question avant que ma cousine ne s'en charge. Oui, c'était long, mais... I don't know what to say. Allez. Franchement, oui. Et même la nourriture à bord n'était pas mauvaise. Et puis comme on a décollé en soirée à Paris, on a dormi une portion du trajet. Mais évidemment, on avait hâte d'arriver. Pas vrai, Claire? Oui, je n'aime pas rester assise à la même place pendant des heures comme ça. Encore une heure de plus et que je crois que j'aurais pété un câble. Dire que je pensais que tu avais surtout envie de revoir ta famille. Colin, qui s'était nouveau éclipsé, est revenu dans le salon avec des verres et une bouteille. Claire lui tire la langue. Aussi accessoirement. Au lieu de répondre, Colin dépose les verres sur la table. Imchan... Je bug à chaque fois que je dis des prénoms. Imchan l'aide en extrayant la bouteille du creux de son bras. Il la place à son tour sur la table. Je vais aller chercher le reste, car j'imagine que tu ne vois pas... Tu ne vas pas boire ça. Claire regarde la bouteille, puis Colin et fronce les sourcils. En effet, j'imagine que tu ne vas pas boire ça. Colin se redresse avec un sourire tendu. J'avais prévu d'autres choix pour tout le monde, mais vois-tu, je n'ai hélas que deux bras. Dis-moi plutôt ce que tu veux boire, toi, et Saywa. La même chose que toi pour moi, tiens. Avant de répondre, je scrute l'étiquette de la bouteille avec un brin de curiosité. Ça ressemble à du soda, tout ce qui est plus inoffensif a priori. Pourquoi Colin ne pourrait-il pas boire ça? Mais voilà. La voix de mon cousin interrogatif me rappelle à l'ordre. Ah oui, de l'eau. Parce qu'elle avait chaud. Et tu as de l'eau, simplement. Colin et Imchan repartent en direction de la cuisine, semi-ouverte sur le salon. Il est de retour! Aniel, qui s'est éclipsé sans prévenir après nous,
après nous avoir présenté la dizaine de cactus sur le balcon, réapparaît tout à coup. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à le voir aller et venir, voir jouer les courants d'air. En chantonnant, il s'installe en tailleur sur le fauteuil devant nous. J'ai recodé la mélodie d'une chanson du premier album de Star. Je ne dirai toujours pas en anglais parce que ça va être horrible. Je vais niquer le prénom, en fait. Enfin, le nom du groupe. Chaque fois que je pose des yeux sur lui, je dois me refaire à l'idée que je suis bien en train de lui parler pour de vrai. Respire. Il a l'air de venir d'un autre monde, d'un monde de perfection et... On avait dit quoi avec les mots difficiles? D'été? Ou d'éther? J'irais plutôt d'éther. C'est pas grave. On veut pas. Ses traits sont d'une douceur inouïe, tout à fait lisse, sans le moindre accroc. Je crois que tu l'avais déjà dit avant, mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Quand il apparaît sur scène, je sais que pas mal de fans se mettent à pleurer d'émotion. Il nous interroge pourtant comme si nous étions les plus intéressants. Oui, plus intéressants que lui. Bah quoi? C'est juste qu'il a pas la même vie que nous, donc normal qu'on est intéressante pour lui. J'aurais plein de questions à poser de mon côté, mais j'essaie de garder la tête froide et de me retenir. Et vous habitez où exactement? Vous êtes tout près d'ici? Pierre se cherche de donner des précisions. Ouais. À Wayang. Donc tout près d'ici, oui. Entre la proximité de l'université et celle de mon frère, j'ai choisi mon frère. C'est cool, rien de tel que de la fratrie. Il a un petit frère et une petite sœur, si je m'abuse, par cet internet. J'adore ma sœur. Mon frère aussi, mais surtout ma sœur. Il y a de la préférence. Ma famille habite à Sokcho, près de la frontière nord-coréenne. Alors je ne vois pas souvent Tai-i. Mais on se téléphone presque tous les jours, et elle m'envoie aussi des messages entre-temps. J'adore me tenir au courant de tout ce qui se passe dans sa vie d'ado et tous les potins de son école. Je suis un peu loin pour veiller sur elle de près, mais je fais ce que je peux pour être un bon grand frère à distance. Le sourire ne quitte jamais le visage de Daniel. L'imaginer triste et presque contre nature. Tu as des frères et sœurs, Seiwa? Normalement, on sait qu'on a un frère, mais je sais pas si on en a plus. Un frère qui a un an de plus que moi, qui est resté en France. Ok, bon. Ah, génial, un grand frère qui peut te protéger, c'est cool. C'est qu'un an de plus, quoi. C'est pas la même chose que moi. Voici le reste des boissons. Inchan et Colin déposent des bouteilles et des verres. Ouh, ça commence bien, je sais pas si je vais pouvoir filmer deux chapitres supplémentaires sur la table basse devant nous. Colin s'assied à côté de Claire, tandis que Kim Chan reste debout. Saiwa, c'est bien ça, je peux te servir à boire? C'est bien ça pour le nous, et merci beaucoup. J'envoie un sourire reconnaissant à Kim-chan. Il m'en offre un léger en retour. Tu parles vraiment très très bien coréen. Tu le remercies. Ah, mon corps est bloqué des choses. Pour être honnête, je n'ai pas énormément de mérite car je fais des études de coréen à Paris. Je suis en quatrième année à l'université. C'est quand même un bel accomplissement d'avoir atteint ce niveau. Kim-chan me sourit à nouveau, toujours avec un peu de réserve, puis se concentre ensuite sur son service. Il me tend le verre rempli à deux mains. Je l'accepte de la même manière, tentant de me rappeler les règles de respect coréennes. Nous sommes ici entre jeunes, mais tout a priori un peu plus âgés que moi. Je ne veux pas commettre d'impair. Je sais que le respect dû à l'âge est quelque chose de très important ici. Je me souviens des infos lues à son sujet que Kim-chan, par exemple, a un an de plus que moi, donc. À notre venue en Corée, à Saewa et moi, et à nos retrouvailles avec Colin et à notre rencontre avec les autres. Toujours intrigué par l'échange de tout à l'heure entre Kim-chan, Claire et Colin, je vérifie ce que prend mon cousin. Ça a l'air d'être une infusion de très froide. Je sais pas plus avancé. Colin porte son verre à ses lèvres, remarquant que je l'observe, me fait une grimace. Je baisse les yeux. Je me sens un peu gênée d'avoir été plus dans un fringant délit de curiosité. J'essaierai de me le tenir pour dire à l'avenir. Après tout, il fait ce qu'il veut.
et je ne voudrais pas passer pour une fuineuse ou quelqu'un sans respect de la vie privée. Ils doivent en avoir leur content avec toutes les fans acharnés. Moi-même, si j'adore ce qu'ils font, je suis d'abord de sa famille. Je dois donc essayer de considérer comme ça en premier lieu. Même sans le voir, je sens que Colin me sourit avant de boire une nouvelle gorgée d'infusion. Au fait, ça vous dirait de venir en VIP au concert qu'on fait dans 3 jours? Si seulement ça pouvait m'arriver, ça! Oh, ma sœur sera là aussi, justement, avec une amie de ma mère. Pardon. Elles font le voyage depuis Sokcho exprès pour venir admirer le nouveau show. Votre manager sera d'accord? Oh, sûrement, il est plutôt cool. Je lui enverrai un message tout à l'heure pour lui demander si ça vous tente. Claire arque un sourcil en sirotant son thé. On ne risque pas de se faire étriper par les sasengs si on n'a pas de passe spéciaux. Je vois Colin hésiter et jeter un verre à Imchan. Normalement, non. Parce qu'au pire, on expliquera que vous êtes de ma famille. Quand la famille de Daniel se présente, ça ne crée pas de problème. Mais ça sera 16 ans, non? C'est peut-être pas pareil. Je réalise trop tard ce que je viens de dire. Ah merde! J'ai lu cette information sur un score et concentré au groupe. Oups. Ah merde, ouais, c'est con. Que vont-ils penser en voyant que je connais des détails sur eux qu'ils ne m'ont pas donné eux-mêmes? Mais ils savent que t'es. Enfin, merde, au bout d'un moment. On va dire ça. Je veux surtout pas qu'ils aient l'impression qu'ils doivent se méfier de moi ou s'ils me font rentrer dans leur quotidien. Heureusement, aucun ne paraît surpris. Même pas Annie qui ne semble pas tilter qu'il ne nous a pas informé de l'âge de sa sœur. Mais il nous a dit qu'elle était ado, donc on peut dire. Ouais, j'ai estimé quoi. Inchan et Colin pensent sans doute qu'il l'a fait pendant qu'il se trouvait dans la cuisine. En fait, ça. Ouf, ça va passer. Ben, on verra bien. Il hausse également les épaules sous sa tunique étoilée. Nos fans sont très sympas pour la plupart de toute façon. Elles nous encouragent de toutes leurs forces à chaque instant. Ça fait toujours chaud au cœur. Vous verrez comme l'ambiance est bonne au concert. Hâte de voir ça. À ce moment, la porte d'entrée de l'appartement claque. Un petit aboiement se fait également entendre en provenance du vestibule. Tout de suite, Inchan repose son verre et le deux soda sur la table se lève et quitte la pièce en courant. Colin soupire en ramenant son propre verre à ses lèvres. Inchan a peur des chiens. Une minute plus tard, un shih tzu blanc et gris à poil court mais avec un palmier sur le crâne trottine dans le salon. Il jappe et Daniel tape sur le coussin de son fauteuil des deux mains pour l'encourager à y sauter. Je me tourne vers l'entrée de la pièce et à nouveau très intimidé. Je déglutis péniblement et ai même l'impression d'avoir du mal à respirer l'espace de quelques secondes. Car qui dit shih tzu dit Hello John A. Bonne séance. Je sais plus quel qui vient de bosser. Ok. Tu parles, j'ai perdu mon combat d'une façon stupide et ça m'énerve. Tja, je sais pas comment ça se prononce. Tja. Le main vocaliste de Star. Fait son apparition auprès de nous. Ses mèches sombrées et déstructurées tombent d'un côté de son visage anguleux. Oh mon dieu. Faut dormir la nuit, hein. Il porte le long des oreilles plus d'étoiles d'or que je ne le pensais des photos et des vidéos. Le tracé noir de la petite ours ressort sur la peau pâle de son cou, au-dessus du col de son t-shirt. Ah oui, c'est vrai. J'ai peur, remarqué. Le chanteur dépose sur le sol un mini ventilateur et des oreilles d'ours. Cet accessoire est trop mignon. Je sens que je vais dévaliser les boutiques de mignonnerie quand on fera notre commerce en shopping avec Claire. Jess se laisse ensuite tomber sur un fauteuil et nous jette un regard perçant. Ok, je me sens presque Claude, c'est du canapé German. Alors, son charisme et son regard sont écrasants. La sœur et la cousine de Colin, donc si j'ai bien suivi. Claire me donne une claque amicale dans le dos. C'est ça, la sœur c'est moi, la cousine c'est Saïwa.
pauvre. C'est quoi ce bonjour? Genre en mode, enchanté. C'est quoi ça? Alors ça, je sais vraiment jamais comment ça se prononce. Maknae. Maknae. Je sais pas. Je le dis jamais. En fait, je sais pas du tout le dire. Du coup, moi, je dis Maknae. Mais je sais pas si ça se dit comme ça. Maknae. Mais je sais pas. Mais fin décembre, mais il a donc lui aussi un an d'écart avec moi. Surtout suivant la logique coréenne. Il me fait un signe de tête tout en continuant à m'analyser les yeux. Je suis pas une alien, ok? Dédaignant soudain les caresses de Haniel, le Shih Tzu bondit sur le fauteuil de son maître. Il bat de la queue avec frénésie, appuie ses pattes contre le torse de Dia et lui lèche le visage. Le chanteur se laisse faire avec le sourire. C'est d'être là en train de nous parler, puis il y a le chien qui lui lèche le. Oui, ma belle, toi aussi tu m'as manqué depuis hier. Vous ne pouvez pas avoir d'animaux dans votre appart si tu ne l'as pas gardé ici. Tu ne le gardes pas ici. Putain, mais pourquoi je. C'est surtout qu'on n'est pas souvent à la maison avec nos journées bien chargées. Je ne voudrais pas qu'elle souffre de la solitude. Donc elle est en pension chez une dame qui habite près de l'agence. Je la ramène ici et que quand on a des moments de pause comme maintenant. Et je passe la voir sur le temps de midi tous les jours quand on bosse à l'agence. Quand il l'amène ici, il s'en fiche que je n'aime pas trop les animaux ou que quelqu'un ait peur des chiens. C'est vrai. Du coup, il est où, Imjan? Imaginez, il est toujours en PLS là dans l'autre pièce, je sais pas où il est. Je lève les yeux vers mon cousin surpris. Je suis appelé subitement par les Français. Sans doute pour ne pas être compris par. Ah! Je savais pas qu'il avait parlé les Français. Ces derniers n'ont qu'un sourcil, mais ne fait pas de commentaires tandis que sa chienne continue à le lécher. Je sais pas. Je veux dire, je me demande ça. Est-ce qu'il y a de l'eau et donc gaz en privé entre Colin et Dia? Je n'ai pas eu cette. Je n'ai jamais eu cette impression en les voyant en voyant les interviews. Mais j'imagine qu'ils font attention à la manière dont ils se comportent devant les caméras. Pourtant, je pensais que les agences formaient les groupes aussi sur les bases des affinités entre les membres. Donc ils devraient tous à minima s'entendre. Ou est-ce que j'extrapole trop là? Si ça tombe, il n'y a rien surtout. Et je me fais des films. Ça arrive tout à tous les amis de se prendre la tête parfois. Claire et moi y compris. Vous êtes pour longtemps à Séoul? Toute l'année. Vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? On vient de faire une année d'études ici, en fait. Donc on aura l'occasion d'apprendre à se connaître au fil des mois. J'espère que l'université nous laissera le temps de passer souvent voir Colin. Claire passe au retour des. Ah, j'en ai marre! Claire passe un bras autour des épaules de son frère qui termine son verre de thé. Et je les ai invités à notre concert dans 3 jours. Ce sera fun, plus on est faux, plus on rit, comme on dit. Manager Ban a dit oui, je suppose. Je ne lui ai pas encore demandé, mais il n'y a pas de raison qu'il dise non. Il y a un petit rire amusé. Oh, ça va, je l'imagine bien, en effet. C'est comme si un nouvel éclair de tension passait dans la pièce, puis s'évanouissait. Son chien toujours sur les genoux, Jess se sert ensuite un verre d'eau grâce à la bouteille poitrine un peu plus tôt de la cuisine. J'allais dire, pourquoi il demande ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'il demande tout ça. Ça me stresse. Vous êtes célibataire? Je souris à la question. Je sais qu'il ne faut rien y voir de sous-entendu, car ce sont des questions qui sont souvent posées lors des rencontres ici. Pas du tout chez nous. C'est plus la curiosité de l'envie d'apprendre à connaître l'autre que de l'intérêt sentimental. Toutefois, entendre un membre de Surstar me poser cette question, j'ai dit en entier. Ouh! Ouh! Un petit côté surréaliste. C'est le troisième qui demande. Non, c'est le deuxième qui demande ça, mais en tout, c'est la troisième personne qui demande ça. Claire, quant à elle, répond avec le sang-froid de l'habitude. Oui, tant que pour Saïwa que pour moi. C'est bon, hein? Pas la. Ok? C'est quoi, je vais pêcher au les 4? Y a pas de problème. Dans le lointain, j'entends souvent la porte d'entrée s'ouvrir, puis se fermer avec discrétion. Ok, c'est le dernier. Annie, qui a lui aussi tendu l'oreille, bondit sur ses pieds.
Jin, je sais, Seon. Seon. Ok, Jin Seon. Jin est le dernier membre de Sir Star, le danseur principal. Je l'ai dit en entier encore une fois. Je vous commence à m'habituer. Aniel rejoint son ami à l'entrée du salon et l'enlace avec son habituel sourire pour lui fêter la bienvenue. La peau de Jin est plus allée que celle de ses amis. Il est originaire de Jeju, c'est plus haut. Une île au sud dans le détroit de la Corée. Ce halo fait ressortir le doré de ses yeux. Du moins, ce qui n'est pas caché par sa frange. C'est exactement ce qui se passe avec moi dans la vraie vie. Il masque même un verre de ses lunettes. Je trouve le contraste du halo très beau. Je sais qu'ici qu'on aime mieux les peaux trépales. C'est pas parce qu'on aime les trépales que... Trépales que t'es obligé d'aimer les peaux trépales. Alors, on va dire ça. En plus, il a l'air sympa, ce qui ne gâche qu'un. En posant pour la première fois le regard sur Claire et moi assis sur le canapé, Jinny a toutefois un mouvement de recul. On n'est pas des aliens. Ses yeux et sa bouche s'agrandissent, et j'ai l'impression que ce n'est pas que de surprise. Est-ce que... Il a eu peur qu'on soit des fans. Ce sont la sœur et la cousine de Colin qui viennent d'arriver de France. Tu n'as pas dû regarder tes messages. Déjà à parler d'une voix rapide catégorique. Aussitôt, Jinny pose une main sur sa poitrine. Oh, désolé. C'est vrai que je n'ai pas consulté mon téléphone depuis que je suis partie au studio tout. Oui, tout à l'heure. Le danseur nous sourit ensuite avec gentillesse. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue chez nous et désolé également de ne pas avoir été prise dans votre arrivée. Oh, il n'y a pas de problème. Pas de raison que vous vous mettiez en diapason de notre programme alors que nous faisons interruption dans le vôtre. Qui soit dit en passant, en plus bien chargé. Nous on a encore pour une semaine de... J'en peux plus. Non, on a encore pour une semaine d'acclimation et de repos avant de commencer les cours. Je souris à mon tour aux douceurs. Merci pour ton accueil en tout cas. J'ai fait abstraction de la réaction qui a précédé. Même si je me demande bien pour qui Jin nous a prises pour des fans, mais qu'est-ce qu'on aurait fait dans leur appartement? C'est vrai que c'est bizarre. Aniel de Jin. Le premier part à vaquer à ses occupations, tandis que le second fait quelques pas vers nous. Comme In-chan, Jin paraît simple, presque ordinaire. Plus banal encore, même sans les couleurs flamboyantes de ses cheveux. Dépouillés du filtre des écrans et de la lumière des spots, ils ont l'air de jeunes gens normaux, en fait. Et c'est des humains, quoi. Ça ne me surprend guère. Je sais bien que, sous le maquillage et les paillettes, les stars sont des humains comme les autres, voilà. Enfin, quand je dis qu'ils ont l'air des jeunes gens normaux... À part Aniel, à part Dia, à part... Elle parle de ses cactus. Laisse-la parler des cactus, s'il aime bien ça, oh. À voir s'ils le sont vraiment. Mais à ça, je ne serai qu'après avoir passé un certain temps avec eux. En tout cas, Jinny est plutôt passe-partout quand on dit qu'il s'avance auprès de nous. Pourtant, lorsqu'il danse, il éclabousse la scène de magie et subjugue sur le public. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux au concert. Je ne vais pas profiter beaucoup de votre compagnie car je vais aller prendre une douche. J'en ai déjà pris une rapide au studio, mais je pense qu'un peu d'eau supplémentaire ne me fera pas de mal. J'ai pu tester les propositions du chorégraphe pour le show. Jinny lui répond avec un sourire triste. Oh. Oui, et tout fonctionne. Ça donnera très bien. Tant mieux. Jinny hoche la tête, puis, comme il l'a annoncé, nous salue et s'éclipse en direction du couloir. J'imagine que c'est par là que se trouve sa chambre et la salle de bain. Colère remporte son attention sur nous pour nous donner quelques explications complémentaires. L'agence a proposé que Jinny incorpore une danse aérienne à notre prochaine série de concerts, vu qu'il pratique ça assidûment dans son temps libre.
À mon avis, ça plaira beaucoup aux fans. Qu'est-ce que tu entends par dans la salarienne? Avec une barre? Non, avec des rubans. Suspendus à des bandes de... Ah, je vois, je crois. Vous verrez si vous venez mercredi. On vient! C'est super impressionnant et super beau aussi. L'admiration est audible dans sa voix. Ce sera un nouveau modèle de concert. On n'a pas encore fait avec cet arrangement-là. On teste ici à Séoul pour une seule performance afin de peaufiner ce qui reste encore à peaufiner avant la tournée. Oh, vous avez bientôt une tournée? Me dis pas que tu vas quitter Séoul quand j'y arrive. Colin passe une main dans ses cheveux et rit. On te présentera manager Ban mercredi soir et tu pourras te plaindre à lui. On fait une tournée d'un mois en Corée et au Japon en octobre. Il faut bien promouvoir notre dernier mini-album. J'ai hâte de mon côté. J'aime bien voyager et rencontrer le public un peu partout. Leur montrer ce qu'on sait faire et les nouvelles choses qu'on en a en stock. La seule chose qui m'ennuie, c'est que j'y vais encore moins voir... Je crois que c'est le chien, du coup. Fatalement. Ça disant, il caresse la chienne sur le menton avec une tendresse visible. Mais oh non, arrêtez avec... Je sais, en plus, je crois que je me suis trompée, c'est pas 21st, parce que ça dit pas 21st. 20... Yes. Non, c'est 21... June. On va dire ça comme ça. 21 June termine un tour du Japon qui a cartonné. Et on ne peut pas laisser prendre de l'avance. Même si, comme la mère de Im-chan est japonaise, ça aide du côté de ce public-là. Cette rivalité proverbale entre les deux groupes. Bah, je suis sûre que vous allez tout déchirer. Elle enfonce un poing sur l'épaule de son frère, qui fait une grimace. Tu me fais des bleus partout, je t'enverrai la facture du maquilleur. On voit ça plutôt à papa et maman. Je ne gagne pas encore ma vie et ils me couvriront. Tu allais les voir, au fait? Pas encore, j'ai commencé par toi. Pendant que les couacs discutent, je me tourne vers Jia. Je ne vais pas rester quoi à côté de lui. J'essaie de vaincre ma timidité à son égard. Tu veux pendant ton absence pour cause de tournée? Ben non, je veux bien promener ton chien. J'aime beaucoup les chiens moi-même. Et puis ça ne me dérange pas de rendre service. On pourrait envoyer des nouvelles photos, des nouvelles et des photos comme ça. Enfin, si tu veux bien me faire confiance avec ton numéro de téléphone. Si pas, je comprendrai. Après tout, tu ne connais ni Eve ni Adam. Tu ne connais ni Dev ni Adam. Pardon. Mais Claire est la sœur de Colin, alors peut-être. Jia me regarde d'un air surpris. Je me demande si ma proposition est déplacée. Je pense peut-être, je sais pas. Mais j'avoue que c'était téméraire car je ne suis pas super à l'aise avec Jack qui m'impressionne. Bon, évidemment, tu as dit que tu avais déjà quelqu'un pour prendre le soin de la bête. Tu as passé une main derrière ses mèches soigneusement décoiffées. Je remarque que sur son avant-bras nul, la longue cicatrice qui dit en interview cette fête au service militaire. Je ne crois pas avoir jamais vu dans quelles circonstances. Je vais sûrement pas lui demander ça là. J'arrive plus à lire. Non, c'est sympa comme offre. Madame Namgoon. Qui a viol en pension et déjà on n'a pas le temps de la sortir au parc quand il fait beau le week-end. Et puis elle n'y comprend rien à la technologie, alors je dois me passer des vidéos et des photos. C'est dire ça. Le regard de Jacques qui se repose sur son chien est adouci. Oui, je l'adore vraiment. J'adore les animaux de manière générale. Je n'ai pas pu attendre pour adopter un chien. Je sais que c'est plutôt rare quand on est jeune et célibataire et a pu mourir de vie et ce qu'il est.
Il y a plein d'idoles de K-pop qui sont un chien. Je fais référence à Jennie, à V, BTS et Jisoo aussi, je crois, il y en a. Bref. D'ailleurs, en plus, il me fait penser à... le chien de Jem me fait penser à celui de Jisoo. Mais je voulais vraiment le faire et j'espère qu'elle est heureuse avec ce que je lui offre, même comme ça. Sa voix est un peu coupante, c'était aussi arrondi d'une manière que j'ai rarement entendue en interview. Donc raison de plus si tu veux accepter mon offre. Oui, avec plaisir. Je te donnerai mon numéro portable avant de partir et celui de Madame Namgoong. Pardon, je me suis trompé. Si tu peux aller faire quelques vidéos et me les envoyer et peut-être la promener un peu au parc le week-end. Pas de soucis. Jem sourit. Cool, merci. Claire qui écoutait notre conversation d'une oreille décide tout à coup de mettre son grain de sel. Vu que tu sembles aimer les vêtements, si Saïwan adopte un jour un hamster, on te fera signe. Un hamster en plus, elle me connaît bien. Elle se met debout comme un regret. Mais même ses regrets sont teintés d'énergie, il faut la connaître pour voir qu'elle n'a pas envie de se lever. Elle brandit son téléphone devant elle. Mes parents m'ont envoyé 15 messages pour me demander qu'on passe chez eux en atterrissant. Il faudrait quand même aller les voir malgré ce petit crochet. Dire ça, je sais pas. Aïe, oui. J'espère que les parents croient que nous ne passerons pas un sabot. Mais j'ai oublié, moi. Ah. C'est vrai que nous leur devons plus de déférence que ces heures de retard alors qu'ils nous attendent. Je repose mon verre sur la table et me lève à mon tour. Maintenant que tu t'es bien rafraîchi, Saïwa, tu seras davantage d'attaque pour réaffronter la fournaise. Elle se tourne vers Colin qui s'est levé et Jar toujours assis avec son chien sur le divan. Aniel semble s'être évaporée pendant que je discutais avec Jar. Saïwa découvre l'été assez où ça. Et c'est peu de dire qu'elle peine. Tiens, Saïwa. Interloqué, je vois le chanteur se baisser pour ramasser son mini ventilateur à terre et me le tendre. Je te le donne si ça t'aide. C'est super sympa de sa part. Après tout, il n'était pas obligé. Un membre de Surfstar vient de me faire un cadeau. Ah, c'est fou. Ma première journée en Corée a déjà pris un tour extraordinaire. Après, tu t'habitueras, tu verras. Oh. Bah, ça fait que 30 minutes que je filme. Mais je vous propose un truc. Moi, je vais filmer le même jour. Mais donc, en gros, je vais... vous voyez cette vidéo le dimanche. Et au final, ça revient même que si je fais deux chapitres. On avancera encore une fois plus vite. Mais je préfère vous poster un chapitre le dimanche et un le mercredi. Du coup, on commence à faire ça. Si parfois, je n'ai pas envie de filmer deux chapitres, il n'y aura pas de vidéo le mercredi à Idol. Il y aura une autre chose, peut-être. Mais... voilà. J'espère que ça vous plaît, le let's play, parce que moi j'adore vraiment Idols. Du coup, on se retrouve mercredi pour la suite. Bye bye!